merci. En renfort ce soir, les amis des fils de Tepu. Il faut voir comme on nous parle. Il faut voir comme on nous parle. Chaque jour, dès que t'ouvres le journal, dans le métro, dans la rue, il y a des gens qui font peur. Le pire, c'est que parmi les gens qui nous font peur, il y a des responsables. Des responsables qui ont décidé de prendre le pays, le destin du pays en main, et qui sont capables de parler comme ceci. Va bien falloir qu'on s'entretue, qu'on se laisse aller à se détester. Assez de sourires entendus, assez de regards de faux cul. Trop difficile de se parler, de s'essayer à s'expliquer. Arrêtons donc de laisser croire, d'entretenir de faux espoirs. Les gens sont susceptibles. Les gens sont susceptibles. Les gens sont susceptibles. Je voulais savoir si j'étais en retard quand j'ai demandé hey, c'est quelle heure qu'il est. Je me suis fait recevoir et le type m'a dit: tu dis ça parce que je suis noir, ah ouais. Un peu plus tard, j'interpelle une demoiselle: hey, s'il te plaît, où est la pharmacie? Elle me répond sur un ton pourri: garde-toi tout de suite, gros con de sexiste, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai dérapé, faudrait m'expliquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Donnez-moi la clé, le code est compliqué. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai dérapé, faudrait m'expliquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Donnez-moi la clé, le code est compliqué. Café chez Aziz les Bretons, où je tiens la porte à une personne âgée. Et là j'entends: ah, foutez-moi la paire, hein. Vous feriez bien de vous assumer. Un type me dit: j'ai tout entendu, à mon avis t'es un refoulé. J'ai soupiré, alors il a lâché. T'as un problème que je sois pédé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Donnez-moi la clé, le code est compliqué. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai dérapé, faudrait m'expliquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Donnez-moi la clé, le code est compliqué. Les gens sont susceptibles. Je fais que ça de le dire. Les gens sont susceptibles. Je voulais sortir de ma place de parking, mais un gars est stationné devant. J'ai klaxonné, il m'a balancé: ça vous dérange qu'on rabais une belle caisse, hein? Tout dépité, je rentre chez moi. Sur le palier, j'en parle à mon voisin, qui me répond: ben tu comprends enfin ce que les juifs vivent au quotidien. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai dérapé, faudrait m'expliquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Donnez-moi la clé, le code est compliqué. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai dérapé, faudrait m'expliquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Donnez-moi la clé, le code est compliqué. Merci au Tepu. En vous remerciant. Et merci à Christophe, à Fabrice,
Et moi ça va plus, je te confonds avec ton frère. Et merci à mon ami Fabrice. Bon, alors et, puisqu'on est chez nous, puisqu'on est chez nous partout, on va faire une chanson du patrimoine. Alors ça va, histoire de faire une image absolument incroyable, genre flash mob et compagnie, le premier rang, il va se donner le bras dessous, vas-y faites-le. Et il va commencer à tanguer de droite à gauche. Le deuxième rang, il se donne le bras aussi et il tangue de gauche à droite. Le troisième rang, il fait comme le premier, le quatrième comme le deuxième et jusque tout au fond. Et au balcon, vous vous démerdez. Mais vous le faites quand même. C'est clair ? C'est clair ? Allez, on va vous mettre un peu de musique, ça va vous aider. J'ai rencontré bien des belles dans tous les pays. De Tarascon à Bruxelles, de Nantes à Nancy. Mais celle que je préfère à tous ces trésors d'un amour vraiment sincère, c'est ma petite blonde du Nord. Elle s'appelle Françoise, c'est une Lilloise. Elle parle drôlement, elle dit mi pour moi, li pour lui, ti pour toi. Son accent m'affole, je vous donne ma parole qu'elle fait tout ce qu'elle veut de moi, ma foi, avec son patois.